Hello la famille, c'est Vitrine A, votre émission qui donne le pouvoir à la musique de chez nous. Nous vous présentons aujourd'hui l'un des artistes, l'un des musiciens les plus célèbres, l'un des poids lourds du rap dans la ville de Goma. Artiste musicien, auteur, compositeur et cinéaste, il utilise son art pour divertir, avertir, éduquer et sensibiliser. C'est en 2006 qu'il fait ses premiers pas en musique, se perfectionnant dans des groupes de renom tels que Nature Boys, The Stronger of Goma et The Kotajiri Team. Mais aujourd'hui, il dirige son propre groupe, FFU, qui veut dire Family Faith Unite. Après une année d'absence dans les games, ce rappeur engagé est de retour pour un nouvel EP intitulé Position. Vous l'aurez tout à l'heure en interview, mais avant, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Voilà, comme annoncé, nous sommes avec un grand artiste. Oui, justement, il a commencé sa carrière il y a longtemps. Il va vous en parler tout à l'heure. Lui, c'est Gangaji. Tout à fait. Alors, Gangaji, bonne arrivée. Merci, Jokambani Kitatu, un frère à moi, le plus jeune collecteur de la ville, je savais en passant encore. Gangaji, en fait. Alors, Gangaji, merci de répondre à notre invitation. Mais nos téléspectateurs voudraient bien savoir qui est Gangaji et comment est-ce qu'il se retrouve dans la musique. Gangaji, c'est un artiste musicien congolais. Je suis artiste musicien, je suis encore poète, je suis encore cinéaste. En fait, j'ai tant de casquettes. Alors, comment tu te retrouves dans la musique? Dans la musique. Oui, au début, quand c'était comment? Quand j'ai toujours dit que j'ai pas choisi la musique, mais j'ai développé la musique. Quand tu as la musique, c'est inné. C'est celui qui t'a choisi. Oui, oui, effectivement, c'est ça. Comment tous les artistes le disent? Alors, eh bien, c'était en quelle année que tu fais tes premiers pas dans les games? Pour préciser très bien, j'avais commencé ma carrière musicale en 2006. J'évoluais avec mes grands frères du quartier, ouais, à Yimbi, où j'habitais. Mm-hmm. C'est là où j'ai évolué. En 2006, c'est pour la précision. Alors, depuis 2006, aujourd'hui nous sommes en 2021. Près de 9. Quoi, 2006? 2006, oui. 2006, combien d'années de carrière déjà? Pourquoi je t'ai compté? De 2010 à 2011. En 2021, ça fait 11 ans. 2006, presque 15 ans ou 16 ans de carrière. Ça, c'est trop. C'est trop. L'un des anciens. Et depuis, Gangaji n'est pas parmi les artistes populaires, n'est pas trop connu dans la ville pendant qu'il est ancien. Comment est-ce que ça s'explique? Mon frère, s'il faut que je demande bien l'histoire de cette ville qui est la ville de Goma, on va comment Gangaji n'est star. Parce que si vous êtes comme musique et tout, il évolue mon groupe. The Strong of Goma, ouais. J'ai quitté The Strong of Goma, j'ai commencé encore avec Dego Tajir Team. Ah, Dego Tajir Team. J'ai laissé Dego Tajir Team, j'ai emballé maintenant avec ma mission, ouais, qui est en carrière solo, alors FU, voilà. Voilà. Family Faith Unite. C'est ton propre groupe. Voilà. Créé en quelle année? Créé en 2019, oui, 19, je précise. D'accord. Alors, où en es-tu? Où en es-tu discographiquement parlant? Donc, actuellement, Gangaji a combien de titres, combien d'albums? En fait, comme nous autres, nous aimons beaucoup
travailler avec la force. J'ai au moins cadré de 5 audios. Sorti, mon frère. Ah, combien? 85 audios sortis. Ça, c'est un artiste de gomme. Ouais. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Il y a ma chanson Sengine, Aziko Kouchen et YouTube. Premièrement, j'avais l'habitude d'être comme les autres artistes. J'avais posté mes chansons, c'est qui vous zip. Mais quand je ne gagne rien, j'ai supprimé mon compte qui vous zip. Ouais. J'ai dit que je vais maintenant lancer si une fois j'aurai bon management. Tout à fait. Alors c'est maintenant arrivé, le bon moment arrivé, je suis là. Je commence maintenant à respirer. Mm-hmm. Grâce à mes œuvres, ouais. Je peux les dire aussi. Je m'en sens ça, je compte lancer tout. Donc les 85 chansons, j'ai mis à compter. Kamawo et Sikia Kamakizinga, les autres amours. D'accord. Qui est trompé, toi, lancer. Batakimbi. Ganga G, l'artiste de Goma. Alors, Ganga G, voilà. Quelle est ton actualité? Mon actualité, si je suis ici, parce que j'aime lancer Alpinium en jeu position. C'est à quoi la première volée, la deuxième volée. Premier volet, t'as quoi? T'as quoi la 6 titres? Ouais. Deuxième volet, je compte faire au moins au-delà. Au-delà, il y a 6 si une femme, premier volet. Donc, ma future ligne, ça, c'est mon deuxième volet. Avec ma baoba, ma musique, il n'y a pas Goma et Mbani. Donc, tu as fait un beau volet à pile. Volet à pile. Alors, Ganga G, il maxi single est à position. Je sais que ça a été position. Position, oui. Lancement est à quoi? En quelle date? Est-ce que sorti à ma clip? En fait, est-ce que sorti à ma chanson est à quoi en même temps? Est à quoi en même temps suivi dans ma clip? Ensuite, il y a un producteur un jour, mais je ne sais pas pourquoi il a mis ça là. Mais il a lancé le 8 décembre, il a finalisé ma audio, la vidéo. Mais si ce n'est pas le cas, je vais faire mon mars 2022. Mars 2022. Je précise bien mars 2022, mais tu es daté. D'accord. Position. Position. Ah. Alors, dans les positions, est-ce que vous avez ma collaboration avec les musiciens? Position volet 1, après la collaboration à Sana, une fois la collaboration à Montana, une fois la collaboration à Cinéraste, qui travaille avec Peace Fighters, ouais. Cinéraste. Bon, les autres, d'après ma petite série, là, position vol 2. Alors, Ganga G, merci d'être venu dans Vitrine A. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était Ganga G dans Vitrine A.